Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Alors on vient de s'harmoniser à Annextrine et de rencontrer les dragons, papoter un peu avec eux. Et nous devons maintenant nous occuper du primordial des Gnats, machin truc là. Ouais les Gnats c'est ça. Les Gnats auraient donc invoqué un primordial. J'ai beau avoir passé de nombreuses années à Dravania, ses habitants me surprendront toujours. J'imagine qu'ils planifiaient cette attaque sur les dragons depuis un certain moment. Pourquoi ça t'est rabattu, cœur de glace? Des gens qui invoquent un primordial pour écraser tous ceux qui oseraient s'opposer à leur volonté de suprématie, ne me dis tout de même pas que ça ne te rappelle rien. Alors celle-là, je dois avouer, Stinien, que celle-là... Là, ça tire à balles réelles, là, honnêtement. C'est... Là, ça, c'était un vrai scud, hein. Vraiment impressionnant. L'éveil de Shiva au sein de mon enveloppe charnelle n'a rien à voir avec une quelconque volonté de domination. Au contraire, je ne cherche qu'à rétablir l'harmonie entre les humains et les dragons, chose que ta lance assoiffée de sang ne parviendra jamais à accomplir. Bon, ça tire à balles réelles dans l'autre sens aussi. Mais arrêtez par les 12! Nous avons un nouveau primordial sur le dos et vous ne pensez qu'à vous disputer. Concentrez-vous plutôt sur notre mission car aucun de nous n'y arrivera tout seul. D'ailleurs, nous manquons d'informations pour nous lancer à l'assaut de cette créature. En toute logique, il doit s'agir de la divinité que vénère les Gnats. Nous devons donc absolument nous informer à son sujet avant de tenter quoi que ce soit. Vous avez raison, Alphine. Nous ferions bien de mettre Marschamp au courant des derniers événements. Je connais très bien les Gnats et il pourra certainement nous aider. Dépêchons-nous de retourner à la peine. Oh, Estinien a toujours de bonnes piques. Elle est pas mal celle-là aussi, monsieur Pluton. Tayoun. Bon, vu qu'ils y sont allés à pied, je vais forcément arriver avant eux cette fois-ci. Je vais voir le relais à monture, je l'avais activé en rentrant dans cette zone ou pas? Ah putain, je l'avais pas activé, c'est pour ça que je pouvais pas activer l'autre truc à l'autre endroit là-bas. Voilà. Ah mais c'est encore la catgirl de tout à l'heure. Bah dis donc, t'as vu, elle me copie en plus, elle a le dragon sur l'épaule et tout quoi. Ainsi, ils ont tous des problèmes plus ou moins sérieux, mais aucun d'eux n'a pensé à m'en parler. Est-ce qu'ils croient que je vais manger tout cru? Ça c'était rendre la quête que j'avais en attente. Hein. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de me préparer à aller chercher les oiseaux de chaque camp. Merci encore de votre aide l'ami, mais dites, maintenant que vous en avez fait la connaissance de tous les cas, peut-être que vous pourrez les aider. Vous semblerez avoir plus de facilité à vous parler qu'à moi. Vous m'avez l'air assez capable. Ok, donc on a un vent éclairé, c'est tout ce qui m'intéressait. Oh nice. Ah ah, je suis arrivé le premier. Tiens, vous êtes déjà de retour? Et ouais, on n'est pas mort, mangé par des créatures bizarres. Quoi? Les Gnats ont invoqué leur primordial? La situation est donc bien plus grave que ce que je pensais. Je risque de vous décevoir, mais mes connaissances sur leurs us et coutumes ne sont plus que limitées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le clan des Gnats qui vit au nord-ouest d'ici est plus accessible que les autres. Ils sont quelque peu marginaux et nous avons pas mal d'échanges commerciaux avec eux au fil des années. Ils aiment beaucoup recevoir des cadeaux, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez entrer en contact avec eux. Eh bien, au point où nous en sommes, cela ne coûte rien d'essayer. Qu'est-ce qui leur ferait le plus plaisir à votre avis? Voyons un peu. Je sais qu'ils sont très friands de miel, de fleurs carnivores, ainsi que de fruits de touche ciel. Ah oui, ils adorent également la viande de Nanka. Je peux me charger des fruits. Grâce à mes techniques de saut, je suis capable d'atteindre la cime des arbres avec une aisance sans pareil. Dans ce cas, laissez-moi m'occuper du miel. Avec Alfino et son talent pour la magie à mes côtés, nous devrions récupérer une quantité suffisante en un rien de temps. Je crois bien que vous allez devoir vous charger de la viande. Si vous pouvez en récupérer 3 morceaux sur les Nanka d'eau douce qui vivent au bord de la rivière, ça devrait faire l'affaire. Lorsque nous faisons un du troc avec eux, nous sommes censés déposer notre offre à un endroit précis que je vais marquer sur votre carte. Bon, rendez-vous-y après avoir rassemblé les 3 parties du cadeau. Merci de tout cœur pour votre aide, Sir Marschamp. A nous de jouer, mes amis. Séparons-nous pour rassembler les cadeaux au plus vite. Une fois que nous aurons tout ce qu'il nous faut, retrouvons-nous à l'endroit indiqué par Sir Marschamp. Très bien, messire Alfino. Alors, à la chasse à la viande. Alors bien entendu, on peut pas passer par là.
Ça me semblait évident. Tu vas pas me dire que toute cette zone est bloquée. Passage. Diantre que c'est pas possible quoi. Vous déconnez là. Y a pas un passage là? Ou alors il faut passer par le nord? Non parce que je vais pas refaire tout le tour. Pas tout le tour, mais c'est un petit tour quand même. Les rivières sont étonnamment peu profondes dans ce jeu quand même. Bien sûr que j'irai ramoter la grosse bête qui est là. Allez, deuxième. J'avancerai plus vite en volant, plutôt comment ai-je pu ne pas y penser auparavant. Par ma barbe. Quel idiot que je suis. Attends, j'ai vu le truc. Ouais, non, il est encore un peu loin quand même. En fait, il doit pas être dans le coin de. Ouais, si, de l'entrée du. Ah, du camp des bestiaux. Voici tout le miel de fleurs carnivores que nous avons pu récolter. Heureusement qu'Isaï connaît la région comme sa poche. Et vous alors? J'ai bien mes 3 morceaux de viande. Avec le fruit que Sirestini a bien voulu apporter ainsi que la viande de Nanka, je crois que nous sommes bons pour mettre tout ça dans un joli paquet cadeau. Maintenant que nous avons tous les cadeaux que Marsechamp nous a conseillé de nous procurer, nous pouvons les placer tous ensemble à l'endroit indiqué. Et
Eh bien, ils en mettent du temps. J'espère que nous ne leur faisons pas trop peur. Vous faire peur à quelqu'un? Laissez-moi rire. Les voilà. Oh putain. Ah oui, non, mais c'est pas un chapeau en fait, c'est leur tête. Du coup, j'ai cru que c'était un chapeau. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir, cher chasseur. Voyons un peu ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Oh, notre miel préféré. Et des fruits de touche ciel. Et de la viande de Nanka. Les chasseurs ont toujours su nous faire plaisir et rendre notre dur quotidien un peu plus agréable. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose en échange, venez dans notre antre. Je vous préviens, c'est très étroit et nous brûlons constamment de l'encens spécial pour empêcher les dragons de s'approcher trop près. C'est très étroit. Ça sent pas très bon. Et surtout, c'est pas très confortable. Ceci dit, mieux vaut ça que de se faire dévorer tout cru par les dragons, pas vrai? Allez, suivez-nous. Mon dieu. Clic, 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 clic. Ils ont des ailes sur le dos en plus. Sérieux, sortez le bégon vert là. On va faire un lance-flamme. Bon, vous me suivez ou pas? J'y vais tout seul encore. Attends, il faut passer par là du coup, j'imagine. Les égarés. Oh! Un village. Parlez de vous à notre patriarche. C'est à lui qu'il faut s'adresser si vous voulez faire du troc. Faudrait pas oublier de nous que nous sommes que des égarés. Des égarés. Alors le patriarche. C'est bizarre. Oh, okay. Oula. Non mais c'était quoi ce truc? Non mais sérieusement. Eh, vous savez qu'il faut faire une demande au contrôle aérien avant de faire un truc pareil. Ça va être doublé. Non, quand même pas. Mes enfants m'ont annoncé votre venue, chasseur. Ils tiennent absolument à vous remercier pour les somptueux cadeaux que vous leur avez offerts. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir, et vous l'aurez. Nous sommes venus vous voir parce que nous avons effectivement besoin de quelque chose. Mais ce n'est probablement pas ce que vous croyez. En fait, nous voudrions que vous nous expliquiez votre religion, et en particulier l'apparition soudaine de votre dieu. Des chasseurs qui nous apportent des cadeaux et qui ne demandent rien de matériel en retour? C'est pas banal, ça. Mais si vous préférez m'écouter parler, ça ne me dérange pas le moins du monde. Je ne sais pas si mes enfants vous l'ont déjà dit, mais nous sommes une tribu marginale des Gnats. Nos cousins qui ont invoqué le dieu dont vous parlez nous appellent les égarés, tandis que eux sont les fidèles. Ok, donc les égarés, c'est les hérétiques en fait. Ainsi, vous et vos enfants... Ainsi, vous et vos enfants vous êtes égarés dans cette région, tandis que les autres Gnats sont restés fidèles à leur colonie et par conséquent à leur dieu. Exactement, mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. Un jour, un dragon blessé venu des cieux orientaux s'est écrasé à Lotas Gnat, à la grande surprise de ses habitants. Pris de panique, les fidèles ont encerclé le dragon alors qu'il était mourant et l'ont achevé à coups de lance, d'armes à feu et d'autres sorts de magie. Ce dragon était assurément frotté d'un peu trop près aux défenses d'Ishgard. Selon le point de vue de chacun, on pourrait également dire que les Gnat étaient en état de légitime défense. Quoi? S'il est certain qu'on ne plaisante pas avec les habitants des cieux dravaniens. Quoi qu'il en soit, les fidèles les ont toujours craints à juste titre. Pour la grande majorité d'entre eux, un bon dragon est un dragon mort. Ça me rappelle un... Un bon insecte est un insecte mort. Ah oui, mais ça s'appliquerait à eux. C'est pourquoi les veillés et les fidèles ont décidé de suivre la voie tracée par le sombre et ont invoqué le dieu pour lancer l'ultime offensive contre les dragons. C'est des Asiens, le sombre? Vraiment. Les fidèles ne veulent qu'une chose, croître et multiplier sans cesse pour conquérir de nouvelles terres et devenir ainsi un peuple toujours plus prospère. Les égarés ne voient pas les choses de cette façon. Nous détestons ce dieu ignoble et n'avons aucune intention de lui consacrer les précieux cristaux comme s'il en pleuvait. Des voisins? Ah, des bagues. Ok, merci.
Et c'est quoi? C'est quête tribale ou... Non, c'est un truc de vent éthéré. Bonjour, vaillant chasseur. Vous avez compris que j'avais un souci même si je suis un égaré. J'ai besoin de l'aide d'un chasseur puissant comme vous. J'aimerais récupérer des bâtons à feu gnat des fidèles. Pourriez-vous m'en apporter deux? Vous voulez prendre aux gnat mirmifieux que vous vaincrez. Et allons parler à Madame Isail. Que je le veuille ou non, je fais partie de ceux qui ont confié leur salut aux primordiaux, en sachant pertinemment que je mettais en danger l'existence de la planète entière. J'ai cru bien faire, mais si le destin venait à me prouver le contraire, je serais prête à en payer les conséquences. L'objectif des gnats semble toutefois différent. Ils veulent se propager au mépris des autres espèces. J'ai l'impression qu'ils sont absolument certains d'être dans leur bon droit. C'est peut-être encore mon arrogance qui me joue des tours. Pour empêcher le désastre du 7ème fléau, mon grand-père Louisois a tenté d'invoquer les 12 dieux éorzéens à la plaine de Cartenon. Je n'ai donc aucun mal à comprendre ce que vous pouviez ressentir, Isail. Votre intention et celle des gnats fidèles sont deux choses très différentes. Ces derniers veulent se tailler un empire. J'ai le sentiment qu'ils sont surtout d'une naïveté sans pareil, mais puisque leur soif d'expansion semble sans limite, nous n'aurons d'autre choix que d'éliminer leur divinité. Voilà qui est beaucoup plus facile à dire qu'à le faire, Alfino. Vous êtes peut-être apte à combattre des hommes bêtes, mais pensez-vous réellement à faire le poids face à un primordial? N'est-ce pas là le rôle attitré du guerrier de la lumière? Bazadormi, il est là! Vous avez raison, Sire Estinien. J'ai beau être le petit-fils de Louisois le Veilleur, je suis encore loin d'être capable de me mesurer à une créature pareille. Toutes mes excuses, Nimitz, mais comme toujours, notre avenir dépend de vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais en faire de la pâtée pour chat! De la pâtée pour Micotte, du primordial. Non, c'est à moi de m'en occuper. Après tout, je suis également doté du pouvoir de l'écho. Non pas que je refuserais ton aide, Nimitz, loin de là. Tiens donc, lorsqu'ils allaient voler au secours de ses amis dragons, on dirait bien que Cœur de Glace redevient elle-même. Mais au fait, dites-moi un peu. Comment comptez-vous appâter le primordial pour qu'il consente à livrer bataille? Figurez-vous que je me posais la même question. Je suppose que les habitants de ce village pourraient nous renseigner là-dessus. Ça nous permettrait de mettre notre stratégie en place. C'est à part en nous pour en interroger quelques-uns chacun de notre côté. Je crois bien qu'Alfino a repris du poil de la bête. Là, les effets d'ombre sont super, je trouve. Alors, cible roi. Nous sommes les égarés. Contrairement aux fidèles, nous avons rompu nos chaînes et n'entendons plus la voix du dieu. Nos pensées ne sont plus reliées et je ne sais donc strictement rien sur leurs intentions. Ouais, les autres, ils sont possédés comme pour les autres tribus dans le reste des Roséens, en fait. Alors, Idaten. Si vous vous approchez du dieu des fidèles, il s'emparera de votre âme. Ne soyez pas si présomptueux, je dis ça pour votre bien. Ouais, truc classique. Si vous voulez aller à la rencontre du dieu des fidèles, la méthode la plus simple, c'est de vous offrir en sacrifice. Bien entendu, il y a de fortes chances pour que vous initiez votre peau. C'était un rire, en fait. Oui. Vate vorace. Disons que c'est long. Vous semblez être d'une grande générosité. Le problème, c'est que je ne me rappelle pas avoir reçu ma part du cadeau, moi. Si vous me rapportez de la viande de Nanka, vous me redonneriez le sourire. Je suis sûr que vous pourrez trouver sur Nanka d'eau douce. Qui sait, ça pourrait me délier la langue. Saloperie de... Putain, mais ils me refont partir là-bas, j'y crois pas. Si j'avais su, j'en aurais tué un quatrième à l'époque, quoi. En plus, il en faut un seul, quoi. Thank you.
Vous avez réussi à vous procurer un morceau de viande en cage, généreux aventurier? Tiens, je plaise. Mais quelle générosité! Puisque je vais me régaler grâce à vous, vous méritez que je vous raconte une histoire. Lorsque l'éveillé relie les esprits des fidèles, leurs souhaits et volontés ne font plus qu'un. Ce que l'un d'entre eux voit, cent de ses camarades le voient. Et lorsque l'un d'entre eux est en colère, c'est comme si un millier l'était. Celui qui veut s'approcher de la divinité devra se soumettre à son jugement. Ok. Soit pour ça. Les gnats sont souvent difficiles à suivre, mais j'ai réfléchi et je pense avoir réussi à traduire certaines choses qu'ils nous ont dites en langage clair. L'éveillé dont il parle est à mon avis une sorte de roi, un catalyseur qui unit les volontés de ses sujets sans avoir recours à la parole. Mais enfin, Alfino, ça marche comme toutes les autres tribus qu'on a croisées jusqu'à présent, quoi. Voilà pourquoi les gnats de Lotas Gnats portent le nom de fidèles. Leur concorde sous l'impulsion de l'éveillé est probablement ce qui permet d'invoquer leur primordial. Pour une raison qui nous est encore inconnue, les égarés qui vivent ici sont incapables d'allier leur volonté aux autres gnats. Voilà pourquoi ils disent ne pas comprendre la manière de penser des fidèles. Voilà qui est intéressant. Je comprends mieux maintenant pourquoi tous ceux que nous interrogeons semblaient aussi ignorants au sujet de leur dieu, ou plutôt du dieu des fidèles. Il ne faudrait pas oublier ce qui arrive à ceux qui pénètrent sur le territoire des fidèles sans autorisation. Selon toute vraisemblance, ils sont offerts en sacrifice. Je ne vois qu'une seule solution. Vous allez vous introduire dans le territoire des fidèles et les forcer à vous capturer. C'est probablement très dangereux, mais c'est la seule manière de vous rapprocher du primordial sans avoir à commettre un massacre inutile au préalable et attirer inévitablement l'attention sur nous. Qu'en pensez-vous ? Aucune objection en ce qui me concerne. Nimitz et moi sommes presque habitués de ce genre de situation, pas vrai ? Je me souviens comme si c'était hier du moment où tu t'es retrouvé en face de Shiva pour la première fois. Cette fois, nous serons du même côté de la barrière. Ah, c'est cool. Mais dès que j'ai vu ce perso dès le début... J'ai su qu'elle allait être plus que juste une antagoniste. Excuse-moi, Nimitz, mais l'œil de dragon ne sera d'aucune utilité. Ah, merde. Bon, pardon. En gros, j'aurais pas besoin de l'œil de dragon. Parfait. Dans un premier temps, il faut que tu te fasses repérer par un garde de Lost Agnat. Lorsque tu engageras le combat contre lui et ses camarades, n'y va pas trop fort et attends le moment propice pour te rendre. Ça devrait être suffisant, enfin, j'espère. Parlez aux soldats Agnat et abattre les ennemis. Ouais, notre truc de vent doit être par là-bas. Sud-est. Alors que ça, c'est 34,1 Y, c'est des Yalms. 564. Ça doit être 300 ça du coup. Je pense que c'est l'occasion d'essayer d'aller trouver le truc. Hein. Ok, ça c'est le village. Oh, ne dites pas qu'il est dans le village. Il y a de fortes chances que si. Hein. Sud-est encore. Attends, ça m'étonnerait qu'on puisse grimper là, mais on va jusqu'au bout. Putain, je peux monter en fait. Bonjour. Thank you.
Ok, donc ça c'est fait. Bon alors où est-ce qu'il est ce truc maintenant? Il doit plus être très loin là. 4... Sud-est? Ah je le voyais là-bas. Là viens, suis-moi. Merde. Ah oui, il faut que je récupère leurs armes, mais en fait je les ai ratées, c'est ça. Putain de... Voilà. Ah mais myrmifère et myrmifeu, c'est pas la même chose. C'est bon, j'ai eu les deux, parfait. Ok, bon, il faut que j'aille parler aux gardes, c'est ça, à l'entrée en fait. Ah, ok. Et merde. Bonjour. Des intrus ont pénétré dans notre domaine. Nous ne vous laisserons pas semer le désordre ici. À moi, mes frères. Ok. C'est vrai qu'il fallait qu'on se fasse capturer en fait. Tout se passe comme prévu. Continue à causer juste ce qu'il faut de grabuge et le tour sera joué. On se retrouve juste après, d'accord? Yep. Allons causer juste ce qu'il faut de grabuge. Question bête. Ah putain, ça marche pas. J'aurais aimé que ça me fasse monter à...
Ça, il faut rentrer. Oui, non, mais là ils sont trois, merde. Ok, allez, on va essayer d'avancer sans... Eh merde, on a encore un bon coup. Non, ne tombe pas, espèce de... Oh putain. Ah putain! Ça permet pas trop de traverser les obstacles, ce truc en fait. C'est un truc que j'aurais voir vite fait. Elle a 4 PA, je peux pas lui acheter quoi que ce soit. Excellent travail Nimitz. Après une telle performance, les fidèles sont sans doute sur le qui-vive. Lorsque les gnades nous auront attrapés, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Veille à bien te préparer avant de faire le grand saut. Bon, eh ben, on va faire un petit break et on continuera ça au prochain épisode. C'est-à-dire tout de suite. Mais j'ai peur que ça dure encore un bon moment et j'ai pas envie de couper ici. On est loin de tout Éthérite, donc ce sera un peu pénible. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous!